arrivé bien des événements, ce lieu étant forcément un lieu où tous les pirates, surtout les pirates français comme vous, finissent à un moment ou à un autre par se rendre. C'est un port franc, un port où il y aura forcément moyen de recruter équipage, sans doute des opportunités pour réparer vos bateaux et peut-être aussi d'avoir diverses rumeurs pour partir en course et en chasse. Cela dit, c'est aussi le lieu où Ruby a sa famille, et alors que vous êtes arrivé à l'île de la Tortue, il s'avère que Ruby a eu bien des surprises alors qu'elle était si enjouée de retrouver père, mère et frère. Raconte-nous, Ruby, comment as-tu vécu un peu ces dernières heures? Ah, on est enfin entré sur l'île de la Tortue. Je n'attendais que ça. On a fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé sur le bateau avec le capitaine, qui a donné d'ailleurs rendez-vous au reste de l'équipage de la petite Nantaise qui sont venus avec nous, dans une taverne. Deux jours après notre arrivée, je crois bien, le soir. J'étais complètement hystérique. Je n'avais qu'une seule pensée en tête, c'était de retrouver ma famille. Je me suis empressée d'acheter quelques bouteilles pour notre chère bonbonne. Et je les ai tous invités à me rejoindre dans ma petite bicoque au fond de la jungle. Une fois que nous sommes arrivés chez mes parents, j'ai pu enfin rejoindre mes parents et les rassurer en leur disant que je suis en vie, tout simplement. Et là, le visage de ma mère m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et elle m'a dit qu'en fait... il n'y avait pas mon frère. Que ça faisait déjà 2 jours qu'il était absent et qu'il me cherchait désespérément depuis ma disparition. On a pris un repas et quelques boissons très arrosées pour certains et très tristes pour d'autres. Et nous sommes partis en fait à la recherche de mon frère. Sur le chemin, on s'est séparés. Je suis partie avec Lys chercher mon frère chez son meilleur ami, Thomas. Et il nous a raconté qu'en fait, il cherchait quelqu'un, un certain Papa Tomba, qui habitait... plus loin dans les basses terres. Et les garçons, eux, sont allés au port pour régler cette histoire de bateau endommagé. Une fois qu'on a récupéré les informations qui nous manquaient, on s'est rejoint au port avec les garçons. Et ils nous ont raconté donc que c'était un peu cher qu'ils avaient trouvé un arrangement en fait pour réparer le bateau. Et finalement, on est parti à la recherche de mon père dans la fameuse demeure de Papa Tomba, près des basses terres. Et au moment où on est arrivé, en fait, dans le village dont nous avait parlé Thomas, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une sorte de camp en construction avec plusieurs palissades autour. Et on s'est approché de la seule maison qu'il y avait dans ce camp avec Kaolo, je crois bien. Et on a entendu en fait ce fameux Papa Tomba parler avec un homme
de mon frère et de ce qui s'était passé durant les jours où il n'était pas là. Et en fait, mon frère est parti à l'autre bout de l'île chercher un objet pour ce fameux papa tombant. Et lorsque l'homme avec qui il discutait est sorti de la maison, on s'est rendu compte que c'était pratiquement le jumeau de ce fameux corsaire côté face qu'on avait rencontré sur le bateau. Et on a su qu'il s'appelait Côté Pile. À ce moment-là, j'étais complètement hystérique de savoir où était mon frère. Je n'avais qu'une seule pensée en tête, le retrouver. Et les autres se sont dit que en fait on pouvait tout simplement attaquer le camp, d'après ce que j'ai compris, pour récupérer plus d'informations et de l'argent pour réparer le bateau. L'idée n'était pas d'attaquer le camp. Bah, c'est pas ça qu'on s'est dit à la fin. Ah, l'idée finale avait été de vous lancer à la suite. Du moins, c'était l'idée de Kaolo qui voulait se lancer à la suite. Côté pile, qui lui-même partait sur le chemin en direction de la montagne avec quatre hommes. Ils sont. Alors, Kaolo et toi, Ruby, vous l'avez pas vu Non, on l'a entendu. sortir. Et vous avez pas vu forcément qu'ils sont avec quatre hommes. Par contre, et vous avez pas vu son visage. Par contre, Lys et Bourbonne, vous avez bien vu qu'effectivement, que ce côté pile ressemble fortement à l'homme que vous avez vu à bord du bateau espagnol. C'est forcément pas le même. Côté face, vous avez laissé son corps, vous avez volé la clé, et c'était lui qui possédait la clé des menottes, et lui-même était bien mort, il n'y avait pas de doute. Il s'en va avec effectivement quatre hommes. Mais du moins, pour Ruby et Kaolo, vous les avez entendus parler, mais vous ne les avez pas vus. Voilà donc réunis tous les quatre à l'arrière de cette ancienne ferme. On vous a dit que c'était une ferme, maintenant que vous y êtes, vous avez plus l'impression que c'est une maison forestière, mais peu importe, là, à l'heure actuelle, il est vrai qu'elle est en train d'être fortifié. La personne qui vit fait partie de la secte rouge et donc un sorcier vaudou, Lys pourra vous le confirmer. Et effectivement, vu la situation actuelle sur l'île de la Tortue, il est peut-être logique que des gens comme ça se barricadent. Il s'avère qu'en effet, en ce moment, sur l'île de la Tortue, le gouverneur souffre de fièvre et apparemment s'est mis en tête que les maux qu'il souffre seraient occasionnés par le vaudou et a déclaré le vaudou et sa pratique illégale sur l'île de la Tortue. Alors que vous êtes donc à l'arrière de cette petite demeure et que j'imagine que très vite vous avez fait le point sur ce que vous avez entendu. Vous savez où trouver apparemment, ou du moins où a été envoyé Jack, puisque Papa Tomba a été très précis dans l'endroit où il a envoyé frère Ruby. Et apparemment, ce côté pile, bizarrement, cherche ton frère. Ou du moins, sûrement, puisque c'est la raison pour laquelle Papa Tomba lui a indiqué Ben, d'après ce que où j'ai il lu, l'avait envoyé. c'est qu'il le cherche pour faire un marché avec Papa Tomba, je crois. C'est ce que j'avais compris. Non, c'est ton frère qui a fait un marché avec Papa Tomba.
Mais côté pile, il veut pas faire un marché avec papa d'en bas aussi? Apparemment, le marché a déjà été conclu, puisque vous avez même entendu une bourse de pièces d'or indiquant que côté pile a payé sans doute Papa Tomba pour l'information que Papa Tomba lui a donnée. Ah, moi, je suis déchaînée. Kaolo, il avait une idée bien précise de ce qu'il comptait faire. Ouais, moi Ouais. l'idée c'était Et voilà. de les suivre et de les choper par surprise, d'en tuer trois et de garder machin, Côté pile. côté pile. En tout, ils sont cinq, hein. Alors, Ça va, pratiquement à chacun. moi, je veux pas dire j'ai monté les vidéos, ils étaient que quatre, mais bon, ils sont cinq. Ah, ils sont quatre à accompagner côté pile en fait. Oui. Oui, bah 4 plus côté pile, ça fait 5, on va dire. Non. Alors, oui, bah oui, c'était le but. De toute façon. Parce que moi, ce que j'avais compris à la fin, c'est que on se faisait toutes les personnes qui étaient dans le près de la cabane, en fait. Parce que je tiens à rappeler Polo qu'on a rendez-vous ce soir. Oui, ça, je me souviens. Et après la cabane, il y a du monde, hein, toujours du monde, qui sont en train de travailler. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Oui, bien sûr. C'était pour ça que je voulais d'abord les suivre, pour s'éloigner justement de là, parce qu'on avait marché un petit peu quand même avant d'arriver là. Et une fois qu'on était assez éloigné, là, les attaquer, pour éviter de se faire attaquer par des types qui sont dans la cabane. Et justement, le but, c'était que il n'y a que lui et ces types-là qui savent où est le frère de Ruby. Enfin, il n'y a que lui qui Bah, on cherche le le sait frère de Ruby. aussi. Oui, d'accord, tu le sais, mais si lui on l'élimine, je veux dire, Eh oui. on peut Alors, avoir les l'esprit cinq, un peu plus enfin, tranquille. les personnes qui partent, ils semblaient être, ils sont tous sortis de la maison, en fait. Oui, bah, je suis d'accord avec le capitaine, hein. On les suit et puis on garde côté pile pour qu'il nous donne des infos sur pourquoi il cherche Jack. Après, c'est comme vous voulez, mais dites-moi, il faut y aller, sinon ils sont en train de partir. Derrière toi, capitaine. Ben, ça me dérange pas, mais c'est juste que j'aime bien rappeler qu'on a rendez-vous ce soir. Oui, mais on est déjà loin. Donc, ce sera Et puis, encore. Si on va chercher le frère, c'est parce que je me souviens. Si on va chercher le frère, c'est impossible d'y être ce soir. Mais si on les laisse partir, le frère, il risque oui, gros. mais par contre, ce que m'a dit Carthage, c'est qu'il faut 2 jours pour aller. Alors, comment il s'appelle là, la crique Ah, faut pas 2 jours, non. Mais effectivement, il vous faut au moins, je crois que j'avais dit une demi-journée pour y aller. Sauf que il est déjà midi passé. Et effectivement, y aller va vous prendre une demi-journée. Donc le retour, enfin, après, si vous y allez à pied, hein, je répète, hein, vous y Ça allez fait par 2 jours deux-trois. qu'il est parti Ah oui, et par contre, oui. donc ça veut dire qu'il a déjà dû Par contre, atteindre. ce qui est sûr, ce que vous voyez, enfin ce que vous avez vu, au moins pour l'instant, vous ne savez pas où il va, mais côté pile, lui ne se dirige pas du tout vers l'endroit où qu'on lui a désigné où est censé se trouver ton frère. Ouais. Mais du coup, normalement, il est censé être sur le retour, s'il a fait ça correctement. Ben non, il serait censé être déjà rentré. Bah écoute, je suis le capitaine, moi je suis d'accord avec son plan. Moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi il te cherche quand même. Toi, Alice, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis à fond derrière notre capitaine. Si on peut avoir des infos, il faut que ce Allez. soit maintenant. Du coup, je piste les types. J'emboîte le pas derrière lui. Et si on y arrive assez loin de la cabane, essayez de les choper discrètement. Ils avancent, donc vous partez derrière eux. L'idée, c'est quoi? C'est de les suivre. D'embuscade.
Ouais, c'est de les suivre. L'embuscade signifierait qu'il faudrait les dépasser. Non, c'est être assez éloigné de la cabane pour pas être entendu. Mais une fois qu'on est assez éloigné, on les aura rattrapés. Et on les chope. Ils font pas attention, ils marchent devant. Donc on les chope par derrière. On en tue le plus possible, le plus vite possible. Et on essaie de garder côté pile pour l'interroger sur ce qu'il veut. D'ailleurs, côté pile, il est où? Il est tout devant ou tout derrière? Moi, vous ne savez pas. Bah, on les suit. Bah, ils sont rentrés dans la jungle. Hein. Alors que vous parliez, ils ne sont pas restés vous attendre. Hein. Non, mais on avait dit qu'on partait. Là, vous êtes en train de parler derrière la maison. C'est un chemin hein, au milieu de la jungle. Hein. Je vous rappelle que c'est un chemin qui a été de manière un peu refaire récemment. C'est pas une route. Hein. Vous verrez peut-être le dernier, voire l'avant-dernier. Bah, je pars direct. Je pars à leur poursuite. Enfin, pas en courant, mais discrètement, je les suis, en fait. C'est qui va être en tête hein? Ruby? Bah, on avait dit Kaolo au départ, mais... Kaolo. Alors moi, à la dernière session, je me souviens, j'avais dit, je fais signe à Bonbonne et Lys, je leur dis, il faut qu'on les chope, et j'y vais direct. Ouais, moi, je suis juste derrière. Donc, je suis parti. Comme ça. D'accord. Donc, Kaolo, tu vas me faire alors que tu les suis, tu vas me faire un test de discrétion. Avec difficulté moins 2. Nature. Est-ce que j'en fais un vu que je suis juste derrière lui? Non. Donc, c'est corps, action, nature, ça? Ouais. Avec moins 2. Ah, joli. Tu progresses vu que t'es en tête de manière discrète. Au bout d'un moment, t'entends les pas des hommes, tu les entends parler. Tu réentends de loin hein, la voix de côté pile qui parle un peu, qui semble un peu agacé, un peu énervé. Qui dit mais quelle perte de temps et puis. Et puis ça commence à nous coûter cher cette affaire. Tout ça c'est de ta faute. Bon. Quand tu avances, tu vois de dos, effectivement, vu que tu es discret, bah, tu vois le premier qui marche. Et un autre juste devant. Hein. Ils sont. Chose logique, ils sont. En file indienne sur le chemin. Clairement, maintenant que tu les vois de plus près, surtout tôt, les hommes ont des tenues de marin. Hein. Donc, qu'ils soient pirates ne te surprendrait aucunement. Le premier que tu vois de dos est un homme apparemment solidement bâti, à la peau sombre. Et à la teinte à la peau sombre, mais alors c'est pas il est pas noir, mais il est très très voilà, il est une peau très très bronzée et il est vraiment un bon gabarit voilà. Et ils avancent d'un bon pas. Donc les suivre. Étant le premier, les autres, vous êtes derrière. Je suis juste derrière, normalement, j'ai dit. Et qu'espères-tu alors que tu vois le premier? Moi? Oui. Oh bah moi, je fais signe derrière et je m'approche. Je m'approche du premier le plus discrètement possible et... Si j'y arrive, j'y passerai mon sabre entre les côtes, mais ça, c'est ce que j'espère faire. Fais tous ces embrochés. vu qu'il avance,
mettre le rattraper pour passer à l'assaut finalement. C'est possible, mais effectivement, c'est quand même assez difficile. Tu vas me refaire un jet de discrétion. Et tu auras moins 3 sur celui-ci. Par contre, en cas de réussite, tu pourras passer ta lame entre les côtes ou ce que tu veux de l'homme. Ok, bah j'y mets. J'essaye d'être précis dans mes pas. Très bien. Non, tu vas pas même pas avoir un moins 4. Je dis des bêtises. Ça va être un duel. Et ça va être contre son jet, en fait, de perception. Maintenant, la cible, c'est humain. La cible, c'est humain, oui. Et du coup, mon talent au sabre, ça compte ou pas? Pas pour celui-là? Non. Ok. Non. Si t'as la compétence discrétion, c'est bon, mais c'est tout ce qui est bon. Oh, joli. Très. Le salaud. Aïe. Ça se passe pas du tout comme tu le pensais. Tu t'approches, t'es discret, mais en fait, l'homme, il devait être beaucoup, beaucoup plus vigilant que ce que tu pensais. Parce que, alors que t'es pourtant encore à 2 mètres, à 2 mètres de lui, d'une manière presque surprenante. Est-ce qu'il t'avait repéré avant ou quoi? Tu ne sais pas. En tout cas, il se retourne de manière, non pas surprise, mais bien pour lui-même te prendre au dépourvu, et fait feu. Est-ce que je vois décidément, ça? Et tu vois, et puis tu entends, tout le monde entend, hein, quand quelqu'un fait feu avec une arme à feu, c'est assez assez bruyant. Non, mais est-ce que je le vois genre sortir son pistolet et tout ça avant? Est-ce que je vois l'action? Oh, bah. Oui, et tu vois aussi Kaolos prendre une balle. Si c'est... Non, mais je voulais dire à terre avant. Au moment où j'entends le feu, moi j'aimerais répliquer. Ah non, t'as pas le temps de réagir. Puisque Kaolo est devant toi, il allait pour le frapper. Toi-même étant derrière, tu n'es même pas à portée de quoi que ce soit. Quand l'homme il se retourne, il fait feu. Et tu... Ah bah, il a fait un critique. Hein. Effectivement, il réussit. Hein. T'as de la chance. Et tu perds 2 points de vie, Kaolo. Alors que tu reçois la balle de... Où tu veux, mais... c'est même pas où tu veux, j'allais dire des bêtises. Tu vas me lancer un des 6. Dans l'œil. Critique. 3, non. bras non directeur, peu importe si t'es gaucher ou droitier. Tu reçois la balle dans ton bras gauche ou droit. À ton gauche, plaisir. Quoi. Et c'est le moins pire que finalement il pouvait t'arriver. Ceci dit, on en reviendra après. Pour l'instant, ton bras gauche d'ailleurs n'est pas utilisable. Ça tombe bien, Ruby. Maintenant, que fais-tu? Je suis à combien de étant mètres juste derrière. Du mec qui a tiré, je suis à combien de mètres? Ce que fais-tu? Bah, j'aimerais savoir à quelle distance je sais. Je bah, suis t'es de... pas très loin puisque t'étais derrière Kaolo. Bah, j'essaie de l'attaquer avec ma dague. Au corps à corps. Tu passes à l'assaut de cet homme. Vas-y, tu vas me faire un corps plus action plus humain. Alors que tu passes à l'assaut. Ah bah c'est contre lui, hein, donc
pas vraiment de difficulté. T'as pas de malus. C'est ça ta question. Est-ce que je mets bagarre dedans ou pas? Non. C'est... Tu te bats à la dague, tu m'as dit. Ok, c'est juste un mot blanche. Te battre, hein. Oui. Bah c'est dague. Je crois que tu as dague. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça part bien, cette histoire. Ça part bien. Tu arrives avec ta... Avec ta dague, il doit arriver et lui-même sort son sabre et bloque ta dague et puis te rend tout de suite l'appareil. Apparemment, ils savent quand même lui-même sait se battre et te blesse, tu perds un point de vie. Génial. Cette affaire part peut-être pas comme vous l'espériez. Bonbonne avait l'air de se préparer au pire derrière. Que fais-tu ? Sur le premier, ou du moins ceux que j'arrive à distinguer dans la végétation. Ah, tu peux, là à l'heure actuelle, tu vas pouvoir tirer sur le dernier qui commence à se battre au sabre contre Ruby. Ou contre celui qui est juste derrière, que tu vois que lui-même s'est retourné et vient de sortir également à sabre. Je tirais sur lui, non, celui qui n'est pas encore au combat. D'accord. Donc tu fais feu. Tu n'es pas très loin. Tu tires au mousquet ? Au mousquet. Esprit, perception, plus... Arme à feu. Je vais rajouter un point de précision. Alors, mousquet, tu vas avoir un plus 2 en plus. C'est deux jets qui sont partis, je sais pas pourquoi. Bon, on va compter le premier, hein. De toute façon, c'est une réussite. Maintenant, dans le jet, d'accord. Et t'as utilisé un point de précision. Précision, oui, tout à fait. D'ailleurs, je vais virer un point de souffle. Donc, précision. Je peux difficilement utiliser puissance. Non, la puissance n'est pas utilisable par les armes à feu. En plus, c'est précisé. Utiliser la rapidité ou la précision. La précision plus 1 aux chances de critique. Ça va par point dépensé, mais ça va pas te changer grand chose puisque tu es quand même très haut. Tu as une MR de 3 quand même. Ce qui est quand même pas mal. Normalement, le mousquet, ça fait combien de dégâts ? Je crois qu'on se pose la même question à chaque fois. Mousquet, 2 points de dégâts. Non, c'est le temps de rechargement, mais tu n'auras pas le temps de recharger, je pense. 2 points de dégâts et plus 1. Donc, tu touches l'âme, tu l'entends hurler derrière. Lys, que fais-tu ? C'est KU. Quand je vois que mon capitaine est en danger, je cours à perdre haleine vers le premier adversaire en tirant ma dague, en essayant de chasser de mon esprit la vieille attaque d'épée qui, la dernière fois, m'a séché. Je me dis que j'ai survécu à d'autres combats et que je serai meilleur cette fois-là. Vas-y, t'attaques le même que Ruby, c'est ça ? Ou tu attaques celui qui a été... J'ai parlé à feu qui s'avançait. Le plus près, ça va être celui qui est contre Ruby. Bah oui, je cherche pas dans la situation. J'essaye d'éliminer le premier, quoi. Très bien. Donc tu, vu que ton adversaire se retrouve contre deux adversaires, tu vas avoir un plus 1 à ton test. Et lui-même a un moins 1. Et il rate. Oh. J'ai un métier, tu as plus 2, non ? Non, j'ai 1 en arme blanche, je pense. Ah, et t'avais pas utilisé de souffle ni rien. Donc tu n'as pas de critique, mais ça te fait quand même une MR de 7, ce qui est plutôt beau. Tu lui fais quand même. Tu vas lui faire 3 points de dégâts avec ta dague. Ce qui est. Tu lui entailles profondément le torse.
un gros giclet de sang qui apparaît et l'homme, bien que, comme je disais, c'est un gros colosse, tu l'entends hurler alors qu'il tente de se défendre. L'un qui a été touché par son comparse, par ton comparse plutôt Lys, c'est-à-dire Bonbonne, vient tant bien que mal tente de venir à l'aide de son ami. Ouf. Et il t'attaque, ma chère Lys. Je t'invite à lancer également ton jet. Ok. Bah, je vais tenter de mettre un point de rapidité là-dedans pour essayer d'esquiver. C'est ça. Ah. T'as un point de rapidité, c'est ça? Ouais. Ça sera pas suffisant. Il te frappe avec son sabre et ça va parce que tu fais quand même une belle MR. Il avait 4. Toi, t'es une barre de 3, ça lui fait que de 1. Et. Sale. Hein? Ouais. Et puisque c'est la différence entre les deux qui compte. Donc voilà. Il réussit quand même assez élevé. Lui, il te touche. Tu perds un point de dégâts. Ah, chien, tu le perds. Juste derrière eux, un autre homme, ils étaient quand même plusieurs, fait feu. Un peu au petit bonheur, la chance, il va avoir un malus de moins 2 vis-à-vis de toutes les personnes. Il essaye de viser sans doute un tireur, c'est-à-dire de te viser, Bonbonne. Eh ben, il est en veine. Il te touche. Tu perds un point de vie. Puisque lui, c'est avec un pistolet. Cet homme, tu le vois de loin. Il est bien habillé. Une armure de cuir. Et Ruby, tu l'aperçois d'ailleurs du coin de l'œil, cet homme. Puisque tu le connais. Kaolo, t'avais été un peu coupé dans ton élan hein, par ce tir. Tes amis sont passés devant toi et comment ont sorti les armes et commencent à se battre. C'est-à-dire que Lys et Ruby sont en prise chacune avec un adversaire. Chacun de vos adversaires sont d'ailleurs blessés. Hein. Lys et Ruby. Il y a cet homme derrière qui vient me tirer en direction de Bonbonne. Toi-même, que fais-tu? Bah, moi, comme je vois que Lys et Ruby sont sur les deux types, que j'ai qu'à Bonbonne derrière, bah, je vais passer au suivant, donc le tireur. Si je peux. Vas-y. Si je peux y aller sans me. Voilà. Bah, tu peux moi, y aller. C'est pas l'adversaire de Ruby que je peux allonger? Si, mais il y a l'autre non, qui est venu vers toi. Si. Ouais, toi, t'as attaqué celui qui était contre Ruby. Sauf que celui qui a attaqué Bonbonne, t'as attaqué en fait. D'accord. Maintenant, vous êtes 2 contre 2, quoi. Si tu veux. Ça va. Vas-y, je t'invite à l'attaquer, Kaolo. Enfin, ça dépend comment tu l'attaques. Tu l'attaques à l'arme blanche? Oui, à l'arme blanche toujours. Oh, critique. Tu vas me lancer un des 6. Méfiez-vous, hein, parce que pour l'instant, mine de rien, ça se passe bien pour vous. On peut sortir les mêmes trucs pour vous, en fait. Les dégâts qui vont se bouffer, vous pouvez vous prendre les mêmes. Dire. Jusqu'ici, vous vous en sortez bien. Mais... Ouais, très bien qu'il y a un petit côté létal au jeu. Hein. Ouais, mais ils ne sont pas montés très haut en hein, MR. Par exemple, là, 8, donc tu as 10, tu as une MR de 11, moins 2, tu vas avoir une MR de 9.
tu attaques à l'arme, donc exceptionnel. Tu lui fais 4 points de dégâts. L'homme n'est pas à terre, mais il est surpris par ton attaque, sans doute tantinet enragé de colère, encore une fois. Hein. Cher Kaolo a tendance à être une furie. Et effectivement, ta lame lui transperce l'épaule. L'homme n'est pas à terre, mais il est gravement blessé. Plus problématique, alors que tu arrives à son niveau, tu commences à te battre contre lui, tu ne vois pas les deux autres hommes qui sont censés être derrière lui. En fait. C'est-à-dire côté pile et l'autre homme ne sont pas là. Ou du moins, ne sont plus là. Ok. Sans doute qu'il semblerait qu'ils viennent de prendre la poudre d'escampette. Est-ce qu'ils sont loin? Peut-être pas. Ruby, que fais-tu? Alors, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'ils sont toujours en ligne? Et si le chemin... Maintenant, ils sont plus en ligne. Hein, ils sont vers vous. Ils se battent. Là, il y en a... Tu croises le fer avec l'un d'eux. Après, libre à toi, si tu veux te désengager et essayer de partir au courant, tu peux. Hein. Mais là, en gros, là, il y en a qui sont partis. On en voit combien? Il y a Rodrigo. Il y en a un qui a tiré au pistolet et un qui est avec moi. Là. C'est ça? Il y en a un qui se bat contre Lys, un qui se bat contre toi et un qui se bat contre Kaolo. Ok. Toi, tu t'es pas encore rendu compte que les autres ne sont pas là. Bonne. Ce que je voudrais en fait, c'est me mettre sur le côté et faire en sorte de lui donner un violent coup de pied pour qu'il s'éclate contre les deux autres en fait à côté. Tu peux, mais alors ça va être les deux sans doute pas, l'un d'eux sans doute. Tu pourrais. Celui qui est avec Lys. Par contre, ça va être effectivement, c'est possible, mais ça risque d'être dur. C'est-à-dire que tu vas me faire un test de bagarre avec moins 3. Non, est-ce que je le tente? Sachant que lui t'attaquera. C'est-à-dire que si tu réussis contre lui, ça posera pas de problème. Mais c'est contre lui que tu vas te battre, c'est pas simplement une réussite, si tu veux. Bon bah, je lui redonne un coup de dague. Très bien. Et du coup, je mets un point de puissance pour vraiment lui enfoncer ma dague jusqu'à dans la gorge, quoi, genre, qui crève. Très bien. Il a une MR de 2-2. MR de 2. Ex aequo. Malgré toute la rage que tu y mets, vous croisez le fer et vos armes s'entrechoquent. Il y a même quelques étincelles qui se forment, mais ni l'un ni l'autre n'arrivait à prendre le dessus sur l'autre. Oh, Lys. Ouais, ben je tente de casser son allonge, quoi. C'est compliqué, il a une lame longue, mais je vais essayer de rentrer dans sa garde pour lui placer un vilain coup de dague. Là, c'est affreux. Vas-y. Voilà, je suis en veine ce soir. Tout cheaté là. Roll 20, stop, cheaté les MJ, s'il vous plaît. Il paye avec la queue de merde. Il a retrouvé son mod là pour tricher sur Roll 20, là, le MJ. Il en avait marre quand on l'a foutu une raclée. T'as fait code cheat. Ouais. Et trop de réussite. Ouais, vous avez tué le capitaine de la Tille Nantes trop facilement. Donc maintenant, on arrête. Donc MR de 3. MR de 1. Ah, il gagne avec une MR de 2. Il se fait pas avoir en fait. Il fait un bond en arrière. Et il te fait une violente estafilade au niveau de l'abdomen. Et tu perds un point de vie. Bon, que fais-tu?
Alors j'aimerais m'approcher là des deux là qui sont aux prises avec Rudy et Lys. Ouais. Et tirer sur celui de Lys avec mon pistolet. Très bien. Donc tu vas me faire et vu qu'il est en combat, tu vas avoir un plus 1. Alors tu vas avoir plus de plus que plus 1 en plus parce que t'es ouais, sauf que attends, je vais te dire combien de gars. Merde. Je croyais que ça allait marcher. Pourtant prêt. T'es prêt. T'as plus 2. Tu vas avoir plus 2 en tout. Normalement, t'as plus 1 parce qu'il est en combat et t'as plus 2 parce qu'il est prêt, mais t'as moins 1 parce qu'il bouge quand même beaucoup. Donc ça te fait un plus 2. Vas-y. Et donc c'est au pistolet, hein. C'est un point de dégâts. Enfin, plus modificateur selon ta réussite. 5. Tu fais feu. Tu lui fais feu sur l'homme, il recule, il titube, et il est encore debout, l'arme à la main. Même si il est recroquevillé, et qu'on voit que le sang coule à flot par l'impact, les deux impacts qu'il a reçus, puisque celui qui se bat contre Lys, que tu viens de tirer dessus, c'est déjà celui qui s'est pris une balle de mousquet. Oui. C'est le même, bah mon salon. C'est le même, ouais. Kaoru, l'homme devant toi redouble et à son tour semble mettre les bouchées doubles d'une certaine manière. Et tu vois que lui-même doit mettre énormément de puissance dans son cou. Que fais-tu? Ouais, bah moi je vais y aller. Je vais y mettre toute ma puissance aussi, sauf que moi je veux le sécher. C'est-à-dire, je vais pas y aller à l'arme. Je vais y aller au poing. Pour l'assommer. Je vais pas le tuer. Tu veux l'assommer? Ouais. D'accord. Donc ça va être de la bagarre. Voilà, vu que j'ai vu que les deux autres se sont barrés, en fait, je me dis, on va regarder un. Et comme j'ai déjà bien blessé, bah... Je me dis que pourrait peut-être garder lui. Après, ouais. Vas-y. Non, mais vas-y, c'est une bonne idée. La même barre de vie, là, du coup, s'il y va au point. C'est pas la même, non. J'ai fait une... C'est pas grave. Je vais corriger. R-mer de 6... Et j'ai dit, lui il avait une MR de 4, ça fait 2. Tu esquives son coup de sabre et tu lui fais un violent crochet du gauche. Il n'est pas. Alors, du droit, mon bras gauche. Tu as un violent coup droit, hein, peut-être même avec carrément la garde de ton sabre que tu avais encore en main. Il titube un peu, mais il est encore debout. Il a l'air mal en point, aussi bien par ton coup de sabre, mais également par ton... Il a l'air de te tenir à peine debout. Lys, t'as l'occasion, en fait, puisque Bombin vient de tirer sur l'homme. J'ai fait une toute petite erreur, c'est que... Bombin, son coup... le tue en fait. Point de vie. Mais Bombin a bien. Enfin, il était jusqu'ici debout, il saignait de ses deux trous, et puis d'un coup, devant toi, il tombe à genoux et il s'écroule. Un cadavre sur pattes. Ouais, il tenait peu. Et ça te donne l'occasion, alors soit d'aider Kaolo, soit d'aider Ruby. Avant qu'éventuellement Ruby repasse à l'assaut également, qui est toujours en prise avec. Moi, mais Kaolo, c'est une machine à tuer. Je vais planter dans le dos celui de Ruby. Ouais, mais il a moins de PV que moi. Il est en mauvais état, Kaolo. Vas-y, tu vas me faire avec plus. Mais je ne vois pas ses jauges, bizarrement. Au-dessus de sa tête ne s'affiche aucune barre rouge. Il a l'air plus blessé que moi. Et puis, il y a son nom aussi écrit.
J'appuie sur Tab pour verrouiller mon adversaire. Et je tente une attaque puissante. Il s'appelle Jojo 94500. En plus, je suis sûr que j'ai encore autant de PV que toi, hein, Rudy. J'en ai plus que toi. Vas-y. T'as TD1 d'abord ? Vas-y, Rudy. Tu as plus 1. Ouh ! Critique. Non, j'ai fait. Il enchaîne. Ah non, tu triches. 2D1. En plus, j'aurais dû voir qu'il n'y avait pas le cadre. J'étais là, c'est trop beau. C'est pas beau de tricher. C'est pas beau de tricher. Ouais, mais j'annonce que je triche. Là, tricher, faut que t'avoue à moitié pardonner. Ouais, mais que à moitié. Ah, je mets un point de... Est-ce que je mets un point de rapidité ? J'ai pas vu son résultat maintenant, c'est dommage. Allez, j'en mets un point de rapidité. C'est parti. Ah, 3. Incroyable. MR de 3 plus rapidité. Ça va pas trop t'aider la rapidité. Donne un dé de plus. C'est juste en cas d'égalité de duel, tu gagneras le duel. Et que si tu te battais contre deux adversaires, ça t'enlève les malus. Donc, tu l'attaques avec rapidité. Et ta dague se plante entre ces deux vertèbres et elle s'écroule au sol. L'odeur du sang, j'aime ça, Ruby. L'homme contre qui tu te bats, Kaolo, voit les deux autres. Il reste armé, hein, et il continue à se défendre, mais il se met à crier Wilson! Wilson! En seule réponse, tu comprends qu'il crie sur les autres qui devraient être derrière lui, quoi, mais qui ne sont plus là, et en seule réponse, bah, on n'entend pas grand chose. Que fais-tu, Kaolo? Ah bah, je le menace avec mon sabre et je lui dis maintenant tu lâches ton arme, t'es tout seul. Quand même, hein, il voit les deux cadavres des deux autres au sol. Il lève les mains et lâche son arme. Il tenait une... son arbre, hein, tombe au sol. Et... Il reste les bras un peu écartés. Et il se rend. Rodrigo, il s'est barré ? Mais non, c'est lui qui vient de se rendre. Pièce de côté pile, il est où ? Il a pris, lui. Ah, il s'est barré, c'est lui qui s'est barré. Ok. Eh ben, je me lance. Après, il est sans doute pas très loin. Hein. Vous ne savez pas, mais. Voilà, moi, je me tourne vers. Il en manque deux, en fait. Ouais. Il en manque deux. Ça, c'est sûr. Je me tourne vers Ruby, je lui dis. Vas-y, je te laisse faire, et je me pose un. Je me pose à côté parce que j'ai bien morflé. Ouais, je me pose. Mais j'ai envie de courir après côté pile. Parce que c'est lui qui envoie mon frère Rodrigo. Je m'en bats les couilles, en fait. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais ? Tu me dis ce que tu fais, hein, on attend. Bah, je cours pas en courant, toi ? Je cours après côté pile. J'essaie de le pister. Donc, d'accord. Donc, Ruby part en courant. Les autres, que faites-vous ? Je vais recharger mes armes et je vais fouiller les deux là qui sont morts. Très bien. Lys, toi, que fais-tu ? Je m'approche de Kaolo et je vais l'aider à interroger celui qui l'a épargné. D'accord. Alors Bourbonne, tu commences à recharger tes armes. Déjà, ça te prend un peu de temps. tranquillement, à remettre de la poudre. Etc. L'homme qui est devant vous reste les bras écartés. Il a un fort accent espagnol.
mais il parle français. Et il vous dit, qu'est-ce que vous voulez? Je croyais que qu'il avait payé Papa Tomba. Apparemment, peut-être vis-à-vis de la direction d'où vous venez, il a l'air de supposer que vous venez de là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous lui dites? Rien. Il regarde fixement. Oui, apparemment. Carlo reste le regarder, Lys reste le regarder. Vous, non, vous c'est pas ça, c'est que voilà, je regardez. Pense que Carlo, en fait, quand il a vu, il a parlé à Ruby et quand il a vu partir en courant, il s'est relevé en disant « Eh merde !» Il a dit à Lys, je te le laisse, et il est parti derrière parce que. Ah, donc Carlo est parti derrière. Donc Lys, tu te retrouves avec le mec devant toi qui te parle. Tu m'as dit ce qu'on devait lui demander avant. Non, ouais, elle est partie. Ah non, elle est partie. Elle est partie, t'as dit, et merde, et t'es parti. Alors que Lys réfléchit quoi faire de ce prisonnier, apparemment. Ruby et Carlo. Dans ces cas-là, vous allez me faire un test de d'athlétisme. Moins 1. Corps plus action plus athlétisme moins 1. Et la cible, c'est humain. Parce que vous essayez de rattraper cible humaine. Et eux-mêmes font leur test. C'est par rapport à eux. Putain. Ben, en courant, Ruby, tu commences à voir une silhouette d'un homme qui court. De deux hommes qui courent, d'ailleurs. Il y en a un devant l'autre. Deux hommes qui courent. Et tu commences à les rattraper, que fais-tu? Je leur saute dessus pour les faire, tu sais, genre je saute genre en courant dessus pour les faire pour tomber sur eux en fait. Alors tu pourras tomber que sur un si tu fais ça. Un qui bah, est sur devant le premier qui est là. Genre je saute dessus. Donc tu vas me faire un test de bagarre. Il y a une difficulté ou pas? Non. Ta cible est humaine. Eh ben quand même. Tu sautes sur lui, tu arrives à le saisir par la taille, tu tombes dans l'herbe et les feuillages avec lui. Et il commence forcément à se défendre. Hein. Il n'a pas l'air très enthousiaste à se rouler dans l'herbe avec toi, bizarrement. C'est côté pile ou pas? Alors, c'est côté pile. Yes. C'est peut-être ta chance. Par contre, Carlo, tu vois ça, t'arrives un peu après. Tu es assez loin. Et par contre... Donc, tu vois... Tu vois Ruby qui est en prise au sol avec ce qui semble être côté pile. Et par contre, tu vois l'autre homme qui était avec lui qui sort un pistolet et qui le pointe vers Ruby. Ouais, bah moi je sors le mien et je tire sur lui. Très bien. Vas-y. Donc, par mais contre. Là, ça va être moins marrant. Tu es loin et donc tu as moins de. Et c'est quoi ça? C'est ouais. Corps perception ça? C'est corps perception, ouais. Libre à toi d'utiliser de l'héroïsme, d'utiliser ce que tu veux. Échec. Ah, tu tires, tu tires en l'air. Lui, il tire. Alors lui il tire. Putain.
lui tient 4. Je repars encore en l'autre côté. Que lâche. Alors, 4. Wow. T'as la chance et pas de chance, mais... tu te prends... alors que t'es en train de... T'avais saisi côté pile, t'étais enjoué, comme il a dit, yes, je le tiens, c'est lui, il se débat. T'es au-dessus, et puis d'un coup, dans ton dos, tu te sens une violente douleur, alors que t'entends deux détonations, et t'entends surtout une qui est tout proche de toi, c'est surtout ça qui est terrible, puisque c'est vraiment tout proche, et tu sens une violente douleur dans ton dos, et parce que là tu viens de te prendre 3 points de blessure. Ah oui, je fais un oh, ça fait mal. Que fais-tu? Est-ce que tu restes en prise avec l'homme que t'as attrapé, sachant que effectivement ça fait mal? Je suis en état de faire quelque chose ou pas? Ah, t'es en état de faire quelque chose, mais après on risque de... T'es quand même mal en point. Est-ce que je peux... Tu peux faire ce que tu veux, mais... Toute action agressive a potentiellement des risques d'engendrer une autre action agressive. Je lève les bras et je dis c'est bon, j'arrête. Bah, il te repousse carrément. Hein. Et Kaolo, tu vois donc Ruby qui se prend un coup de feu, et tout de suite, dès que tu relâches, de toute façon, côté pile la repousse, tu l'entends vaguement Ruby parler, ce qui t'indique quand même qu'elle est en vie, alors que côté pile se lève. Que fais-tu? Ah, c'est bien le problème. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ça dépend si t'interviens ou si t'attends un peu. Si t'attends, bah, est-ce que tu attends ou pas? Ou si tu sautes dans la mêlée, j'en sais rien. Ça. Est-ce qu'ils vont se barrer ou est-ce qu'ils vont rester là? C'est ça. Est-ce que... Ah bah, si tu attends, tu vois que... Côté pile sort un pistolet, pointe dans ta direction, mais ne tire pas, et ils partent tous les deux en courant. Ouais, bah je laisse partir. Parce que tu penses que, effectivement, ils voient bien que vous êtes arrivé jusqu'ici, les autres ne sont plus là, et ils manquent pas leur reste, et puis. Ouais, je vois l'état de Ruby, j'ai déjà bien morflé, je laisse partir. Très bien. Donc assez vite, effectivement, les deux hommes disparaissent. Et tu peux aller vers Ruby. Un peu plus loin, dans la jungle, vous entendez des coups de feu. Nickel. Ah oui, hein. Bonbonne et Elise, vous entendez des coups de feu. Pratiquement, et qui se passent pratiquement en synchro. Hein. Bam. Bah, je vais traîner le mec, moi, avec la dague sous la gorge, vers les lieux pour aller voir ce qui se passe, quand même si... Très bien. Bon, moi, je sais ce qui se passe. Laisse-le là et vas-y, je vais m'en occuper du gars. Bah, ça sort dessus. Donc, Bonbonne, tu restes surveiller le prisonnier, alors que Lys, assez vite, hein, de toute façon, Lys, hein, tu arrives auprès de Kaolo et Ruby. Hein. Ruby s'est sans doute relevé, mais effectivement... Non, je suis toujours par terre, les yeux livides. Les mal en point. Et je suis là, putain, chier. Je vais décimer. Ah, Bouge pas comme ça, tu vas perdre encore plus de sang. Oh là là, putain, tu t'en es pris une. Il est pas très loin quand il t'a tiré dessus. Bah moi je tente de lui faire... Mais non, cet enculé, il m'a tiré dans le dos. Te déchirer genre un peu de sa chemise et d'essayer de la
la soigner. Les premiers secours, voilà. Tenez. T'as pas trop d'accessoires, hein. Tu fais avec les moyens du bord, t'auras un moins un, mais vas-y. Que je fasse un pour lui garder un point de vie, mais pas de moins un. Si, moins un. Ah, acheter des bandages et autres onguents. Chercher des plantes, j'en sais rien, monsieur. C'est quoi le truc? Il faut que tu fasses une émerde au moins de 3, en fait, pour... C'est corps... Non, je pense que c'est esprit. Esprit, action. Esprit, action et humain. J'essaie de me dépêcher le plus vite possible. Donc j'utilise de la rapidité. La rapidité, vite fait, mal fait. En même temps, ça lui permet de perdre moins de sang. D'accord. Allez, tu utilises de la rapidité. La précision aurait été peut-être plus adéquate. Mais j'en ai pas. Oui, si. On va utiliser de la rapidité. À premier soin, j'ai 1 quand même. Non, mais si tu me l'autorises, évidemment. Hein, si oui. Non, je te l'accorde, vas-y. Oh, fuck. Et là, tu l'achèves. Oh! Ah, échec. Non, mais ça fait rien. C'est juste que tu lui bandes le... Tu lui fais un bandage, mais effectivement... C'est soigné, mais... Alors, ça sera pas suffisant pour la remettre d'aplomb. Après, tu as au moins ressorti la balle, dirons-nous, et... On va dire le moins pire effet... Kaolo, quand même ton bras, ton bras est quand même bien engourdi, mais ça va. En manipulant, c'est douloureux, mais ça va rester un peu douloureux. Mais bon, t'en as vu d'autres. Hein, mais effectivement, t'as reçu une bonne balle dans le bras aussi. L'embuscade a tourné assez vite au vinaigre. Finalement, vous avez plusieurs personnes au sol. Qu'est-ce que tu voulais faire, Lys, en plus ? Moi, une fois que je vois que mes connaissances scientifiques sont limitées, je vais, je pense, prier et faire appel à la magie. Pour qu'elle cicatrise un peu plus vite, quoi. Mais peut-être quand on sera au calme plus, je sais pas là si c'est vraiment le moment. Je me rends pas compte du temps que ça me prend, quoi. Comme tu veux. Parce que c'est quand même un objet déjà enchanté, donc c'est pas vraiment un rituel très long, quoi. Non, j'imagine. Non, ça doit pas être très long, tu peux l'utiliser. Du coup, je le fais maintenant, comme ça elle récupérera plus vite et je vais juste faire quelques prières. Avec le sang de sa blessure, je lui dessine des trucs sur le visage et je lui passe mon collier autour du cou. Je vois bien le truc, je danse autour de moi et moi je suis là, putain, je le tenais. Calme-toi, sinon tu vas pas cicatriser bien, bordel. Donc là, il y a quand même un test, me semble-t-il, cœur, ouais. Action et... On va mettre cœur, action, vaudou. Et t'es obligé d'utiliser un point de souffle ou un point de souffle, ouais. Je pense que c'est de souffle, effectivement. Humain, hein. Même si c'est un sort, là, c'est pour soigner un homme. Oui, c'est humain. Humain, oui. Oui, c'est humain. C'est ta cible, c'est elle, en fait. Et du coup, ce point de souffle sert à dépenser le sort et non pas en énergie. Oui. Je suis désolé. Ok, ça oui. Marche. Ah, voilà. Écoute, ça marche au moins. Voilà, on peut compter sur les lois. C'est pas comme cette saleté de médecine. Très bien. Donc, on va mettre un petit symbole. Symbole qui va... Un petit masque comme ça. On saura que... Ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire que
Alors, si son sort, tu vas récupérer plus vite, en fait. Tu vas récupérer un point par jour, tu vas récupérer deux points par jour. Ok, d'accord. Cela dit, après, libre à toi de tenter les premiers secours sur un peu tout le monde, hein, si tu veux. Moi, même sur toi. Ouais. Ah bah ouais. Enfin, libre à toi. Hein. Peut-être pendant qu'ils interrogent, oui, pourquoi pas, oui. Ouais, ouais. Ouais. Bon. Tu vas faire trois tests. On va commencer par, on va dire, toi, Bonbonne et Carolo, dans cette ordre-là. Tu fais comme ça, on fait trois tests et c'est fait. Moins un sur chaque truc. T'as toujours moins un, ouais. On va dire que vous vous réunissez sur les hommes. Ils ont. Alors. Oh, grande chance, vous trouvez. Ah, quand même. Ben, ils avaient été. Sans doute. Putain, joli. T'aurais pas pu faire ça pour ils moi. Avaient... Ils avaient. Alors, trois tests. Alors, le premier, c'était pour toi, donc tu récupères un point de vie. Je suis désolé, je sais pas assez blessé. Le deuxième, c'était pour Bobon, qui récupère deux points de vie. C'est dommage, il avait perdu que. Et donc, il est au maxi. Et notre cher Kaolo ne récupère rien du tout. Même si c'est une réussite, ça suffit. Vous trouvez 8 en tout et pour tout. Je vais lancer. Vous trouvez 8 pièces de 8 sur les corps sur votre prisonnier en tout. Rodrigo, il a une petite pierre précieuse verte. Aussi, vous pouvez récupérer éventuellement. Enfin, vous récupérez sans doute. Elle est dans sa bourse avec ses quelques pièces de 8. 8 pièces de 8 plus une pierre précieuse verte. Vous en faire ce que vous voulez. Après, deux d'entre eux avaient des pistolets. Parce qu'ils ont tiré avec. Et ils avaient tous des sabres. Des sabres. Sont classiques, hein. Ils ont pas forcément de. Bah, j'en récupérerai bien un, parce que moi j'ai qu'une dague. Ouais, mais tu sais pas manier le sabre, mieux vaut que tu manies une dague. Ah ouais. Arme blanche, avoir un en arme blanche, c'est pas considéré. Non, t'as pas arme en arme blanche, t'as un en dague. Ah d'accord. Tu peux te. Tu. Voilà. Tu voilà, donc après c'est à peu près des munitions, ça te permet de récupérer tes munitions en bonbonne et la poudre, il n'y a pas de souci. L'un d'eux a. Alors tu trouves vous trouvez une petite statuette en bois sur l'un d'eux. Ça, apparemment qu'il aurait peut-être taillé lui-même, qui semble être une femme nue. Et le suivant, oh bah tu vas être content mon cher Bonbonne, puisque le suivant a sur lui une petite tourte outre de vin. Et donc c'est la fête. Ils ont pas de tabac. Pauvre Bonbonne. Personne qui fume, on faisait une pourrie. Et sur Rodrigo, tu trouves une paire de dés. En. Voilà. Alors. C'est Bonbonne qui fouille un peu. Donc. Peut faire un test de commerce. Moi ? Ouais. Est-ce que leurs pistolets sont mieux que ma vie ? Non, ils sont classiques, les épées et les pistolets.
sont... Moi, j'ai un truc qui était précisé vieille pétoire, mais c'est pareil, ce qu'ils ont. Ah, bah non, oui, non, ils sont mieux que ta vieille pétoire. Tu peux virer ta vieille pétoire. Okay. C'est des pistolets classiques. Après, bon, en général, les armes, c'est soit très bonne qualité, mais c'est rare les armes de très bonne qualité. On trouve ça chez les nobles ou ce genre de choses. Pour le test de commerce, je prends quoi, par contre ? Après, je suis à 0, hein, donc ça, j'en vois rien. Commerce ? Ah, après, oui, pardon. Ça va être esprit plus perception. Plus artificiel. Et merde 2. Bah, tu réussis. La particularité, c'est que c'est des... Au début, ils pensent... Ça semble être anodin. Et puis, quand tu regardes, tu remarques que c'est des dés en ivoire. En fait, ils ont de la valeur. Il y en a combien ? Il y a une paire. Une paire de dés à 6 faces. Oui, parce qu'ils n'avaient pas des dés 10 et des dés 20. Ils ne faisaient pas de jeu de rôle à l'époque. Non, mais savoir s'il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une paire, ça me suffit. Et autour du cou, il a un pendentif en bois. Mais c'est juste une... Alors, il a une belle chaîne. Pas forcément de grande valeur, mais il y a une petite chaîne. Et c'est une perle en bois qu'il a autour du cou. Et ça, par contre, assez vite, il y a des petits symboles dessus. Et tu penses que c'est un gad, ma chère... Ma chère Lys. Après, scruter. Tu peux lui demander ce qu'il fait ou quoi, mais en tout cas, ça a de la valeur aussi. Vous pouvez le garder et l'utiliser pour vous, mais au-delà de ça, ça a de la valeur. C'est des objets qui sont faits par des sorciers voodoo, donc ça demande un certain talent et c'est pas forcément donné. Même les vôtres que vous avez. Voilà pour ce que vous récupérez sur votre pillage. Mais que faites-vous ? Bah, je vais m'occuper d'Andrio. Ah, moi, ouais. Moi, je lui montre le collier du bout des doigts, comme ça, en lui disant ça a des propriétés, cet objet-là. Qu'est-ce que ça fait exactement ? Ça protège pas des coups de dague, visiblement. Non, c'est... Ça permet de... Je sais plus... Ben, ça... Ça me permet de l'avoir, en général, un peu plus de chance au jeu. Okay. Mais j'évite toujours d'utiliser... sur... près des tables en fer ou... Parce que tu sais qu'effectivement, dans les tavernes et autres, où il y a des jeux, il y a des tables en fer où on y met de la limaille de fer. Parce que le fer a tendance à avoir des propriétés anti-magiques, en fait. Repousser la magie vaudou. Et voilà. Je lui dis ok, merci, je prends et je lui arrache. En fait, Rodrigo, c'est à ce moment-là qu'il... Jette un œil à Ruby et tu te vois qu'il fronce les sourcils et sans doute que après toutes ces que la situation se calme un peu dans le combat il avait peut-être pas trop réagi mais tu vois qu'il te regarde et qu'il te reconnaît en fait parce qu'au début il fronce les sourcils et d'un coup il est un peu surpris il fait c'est toi c'est à cause de toi. Du coup, je m'approche de lui. Je peux l'attacher pendant ce temps. Des cordes. Tu l'attaches. Ouais, je l'attache à un. Alors que tu l'attaches, il commence à crier. Il a pas trop le choix, il se laisse faire. Hein, mais il dit, tout ça, c'est ta faute. Et toi, rien de tout ça serait arrivé à cause de toi. Tu peux t'en vouloir qu'à toi.
Si tu m'avais pas volé, on n'en serait pas là. Comment ça, voler? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Où il est? Qu'est-ce qui est où? De quoi tu parles? Il est avec ton frère, et c'est pour ça qu'il cherche ton frère. Si tu l'avais pas volé, si tu l'avais pas donné à ton frère, on n'en serait pas là, et j'en serais pas là non plus. Et tu parles de cette breloque, là, en bois? Oui, c'est ça qu'il est venu chercher. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris ce que t'as dit. Qu'est-ce que c'est? C'est important pour lui, il en a besoin. Enfin, pour lui, c'est lui-même travaille pour des gens bien plus importants. Ah, tout ça se serait bien passé si tu m'avais pas volé. Je serais plus ici, j'aurais de l'or et je serais tranquille. Je mets ma dague sous la gorge et je dis, maintenant, tu vas me dire à quoi sert cet objet. J'en sais rien. En tout cas, il était prêt à me payer très cher pour l'avoir. T'es sûr que t'as aucune autre information? Est-ce que je peux voir Simon? Tu peux essayer de voir Simon. C'est cœur plus action. Tu vas me faire cœur plus perception plus humain. Moins 2. Vous pouvez tous le faire, tous les gens présents, si vous le voulez. Ça me pose pas de soucis. C'est cœur plus perception, moins 2. Je peux rien mettre en talent, de toute façon. Précision. Ça dépend comment tu t'y prends, en fait, pour savoir s'il ment. Bah, je le menace, clairement. Donc, tu peux utiliser de la puissance. Ah non, je parlais pas d'énergie, je parlais de talent. Ah bah non. Je crois pas qu'il y a... Ah, tu parlais d'une compétence, je crois pas qu'il y a un Timmy. Non, j'ai regardé, il y a rien. C'est pas intimidation. C'est pas grave, puisque tu réussis de toute manière. Alors, clairement, il te ment. Et enfin, en tout cas, il doit pas tout te dire, c'est sûr. Je lui coupe un bout d'oreille et je lui dis « Si tu continues, ça va être pire. » Il crie et... « Et à quoi bon? De toute façon, vous allez me tuer comme les autres. Donc, à quoi bon que je parle ?» Puis il crache à tes pieds. Ça va très mal se passer pour toi, je te le garantis si tu me dis pas la vérité. De toute façon, ça changera rien, vous allez me tuer. Donc à quoi ça va changer? Que tu saches, tu ne sauras rien et tu ne sauras même pas pourquoi ton frère va se faire tuer comme un chien. Et tout ça par ta faute. À ce moment-là, par je lui dis... ta faute. À ce moment-là, je lui dis on peut te tuer, mais on peut te tuer lentement. De toute façon, ça va prendre longtemps. Vous imaginez même pas maintenant ce qui va m'arriver. Là maintenant, dès qu'il a dit qu'il allait se faire tuer comme un chien, je lui tranche l'oreille. Complètement. Genre ça pisse le sang, je m'en bats les couilles. R comment donc, en l'intimidation, tu vas me faire un cœur plus action plus humain. Kaolo, tu peux. Ce que tu peux faire, c'est tu peux tenter. Non, tu vas avoir un plus un. Je vais vous dire ce qui se passe. Tu peux avoir un plus un, Ruby. Parce que Kaolo t'aide en le menaçant. Ouais. Mais, alors vous me dites si vous êtes t'es bien d'accord, mais pour le faire parler, là tu le tortures. Bien d'accord. Oui, complètement. D'accord. Donc, vas-y.
T'arrives à tu le tortures, et puis au final, au bout d'un moment, il parle dans la douleur. Il hurle des mots qui semblent pas avoir de sens. Parce qu'il dit c'est une pièce. C'est une pièce du puzzle. C'est pour trouver le trésor. 15 pièces. Il lui en manque plus que très peu. Une fois qu'il les aura tous, il pourra l'avoir. Il parle de côté pile. On est d'accord. Tu sais pas de qui il parle en fait. Quand il je fais, tu parles bien de côté pile. On est bien d'accord. Non, le capitaine. C'est le capitaine qu'il veut. C'est le capitaine. Comment il s'appelle ce capitaine? Moreau. Capitaine Moreau. John Moreau. C'est lui qui voulait récupérer. On était 15. On n'est plus autant. Mais il pourra rien faire. Il pourra rien faire sans la carte et sans le pilote. Côté pile, il fait partie des 15, mais il a vendu son âme à Moreau. Comme il avait déjà vendu son âme à Flint. Ils veulent réunir les Pulse, ils veulent retrouver le trésor. Ah, tu penses bien que tu ne feras plus partie de cette expédition? En fait, ça c'est ce qu'il te dit, mais de toute façon, il succombe à ses... Bon, encore, je vais juste couper l'oreille. Ah non, non, tu l'as torturé. Avant qu'il te parle, tu ne l'as pas que coupé l'oreille. On passe les détails, mais tu n'as pas fait que ça. Mais on passera les détails, puisque ça rapporte peu, finalement. Non, non, il dit ça. Et puis, dans ses derniers mots, il répète juste que tout ça, c'est pour trouver le trésor de Flint. Et du coup, avant qu'il rende son dernier soupir, pour bien le faire souffrir, je lui plante ma dague dans l'œil. Donc l'homme est mort. Il se retrouve éborgné. Regarde, capitaine, il ressemble. Une cinglée. On est avec une cinglée. Mais que faites-vous? Pour mettre la situation, là, ça commence à faire un petit moment que vous êtes dans la forêt. Hein. Peut-être une petite demi-heure qui a passé depuis que... Ah, je pense qu'on fait le point en rentrant peut-être au... Ah non, oui, c'est ça, si, on devait rentrer pour aller à l'espèce de rendez-vous qui était complètement d'un autre bout de l'île, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Ouais, le petit point bleu turquoise, là. Mais mon frère va se faire tuer. Il vient de le dire. Ton frère est à l'autre bout de l'île. Je peux pas laisser passer ça. Pendant que je dis ça, tu sais, je m'essuie tout le sang que j'ai sur mon pantalon, tu sais, sur la dague. Je fais ça va très très mal se passer pour eux. Ouais, mais il faut que tu prennes le temps d'aller mieux là. Tout ce que tu vas faire, c'est de te faire tuer si tu. Oui, mais c'est soit moi, soit mon frère. Enfin là, dans l'état où t'es, je te conseille de pas sortir ton épée du fourreau, hein, pendant un petit moment. Il est en danger. Là, je m'écroule au sol et puis je commence à déprimer, à me dire... Putain. Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? On a rendez-vous ce soir. Il faut partir maintenant. Là, je vais soutenir peut-être Ruby, moi, sur le chemin du retour, quoi. Ouais, vous faut quand même un peu de temps, hein, pour vous rejoindre la montagne. Vous voulez rejoindre Basse-Terre tout de suite? C'est ça? Alors la question, c'est que est-ce qu'on
Est-ce qu'on a le temps d'aller à Basse-Terre ? Enfin, de passer par Basse-Terre et d'arriver au lieu de rendez-vous avant minuit ? Ça, oui. Oui. Là, Basse-Terre, on avait dit, je sais plus, il faut... Là, il va falloir... Ouais, là, peut-être un peu plus longtemps, parce que vous avez des... vous êtes blessé, vous traînez la pète. Mais il va vous falloir aller, on va dire, 2 heures, là, d'où vous êtes. Puisque vous n'êtes pas à la montagne, il va falloir 2 heures pour rejoindre Basse-Terre. Après, ça dépend comment vous allez à la crique des naufragés. Pour y aller, il vous faudra un peu de temps, mais vous pourrez y être avant minuit. Sauf qu'il y aura sans doute... Vous y arriverez, il fera déjà nuit, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Le truc, c'est que notre bateau, là, à 4, on peut pas le... Non. Ouais. Votre bateau, non. Non. Yes. En tout cas, pas le vôtre, non, c'est sûr. Il est beaucoup trop gros, faut être au moins... D'emprunter une petite chaloupe, ça nous réduirait le temps. Ah, par aller par la mer, ça peut vous réduire le temps, oui. Pour aller partout, hein. Et partout, même si vous voulez aller, peu importe où vous allez, au bord de côte. Après, comme j'avais dit, par contre, vous pouvez pas aller directement à la crique des naufragés avec un bateau. Vous pouvez, par exemple, sans doute vous en approcher avec un bateau. Pourquoi vous pouvez pas aller directement à la crique des naufragés? Parce que, comme son nom l'indique, c'est un peu compliqué quand même de débarquer. Voilà. Mais effectivement, possibilité. On s'arrêtera un peu avant. À partir du moment où on commencera à avoir des cailloux, on s'arrêtera. C'est pas mal ça, non, d'emprunter la chaloupe d'un pêcheur. Vous pourriez gagner un peu de temps, effectivement, en allant jusqu'à la pointe du Maçon, déjà. La pointe du Maçon, c'est là. Et il y a des habitations, là. C'est le point ici. La pointe du Maçon, juste peut-être un peu après la pointe du Maçon. Il n'y a pas de quoi mettre des gros bateaux, mais il doit y avoir peut-être une crique qui doit vous permettre... d'y aller avec une chaloupe, ça doit être faisable.